Bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde Vu d'en bas, qui, comme son nom l'indique, tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Notre chronique est consacrée aux mutations annoncées de la présence militaire française en Afrique. Alors qu'aucun événement important particulier n'est à l'agenda, plusieurs grands titres de presse se sont illustrés cette semaine. Par l'annonce d'une réforme profonde de la présence militaire française en Afrique. Le journal Le Monde titre par exemple, comme suit son édition du 17 juin, je cite, En Afrique décrue historique en vue de l'armée française. Fin de citation. La radio RFI titre pour sa part une de ses émissions en date du 23 juin, comme suit, je cite, Armée française en Afrique, Paris veut réduire la visibilité et son empreinte. Fin de citation. Cette information de l'AFP est présenté comme issue, je cite, de deux sources proches de l'exécutif et d'une source militaire. Concrètement, annonce ces sources, le nombre de soldats français au Gabon passerait de 350 à une centaine, au Sénégal de 350 également à une centaine, en Côte d'Ivoire de 600 aujourd'hui à une centaine et au Tchad de 1000 actuellement à 300. La base militaire la plus importante, celle de Djibouti, n'est pas concernée par cette réforme et garde en conséquence son effectif de 15 000 militaires français. Pour prendre la mesure quantitative du changement annoncé, il faut garder en tête qu'il y a encore seulement deux ans, L'armée française comptait 6600 militaires dans la région, à savoir 5000 dans le cadre de l'opération Barkhane au Sahel et 1600 dans autres dans ses bases en Afrique de l'Ouest et au Gabon. A l'avenir, cette présence militaire permanente sera de 600 soldats. Ces annonces surviennent alors que l'ancien ministre Jean-Marie Bocquel doit rendre un rapport sur ce sujet en juillet prochain. Ce dernier a été nommé en février dernier envoyé personnel d'Emmanuel Macron en Afrique afin... 2 précise sa lettre de mission d'expliquer les raisons et les modalités de ces adaptations tout en étant à l'écoute de leurs besoins. Fin de citation. Les trois sources de l'AFP reprises immédiatement par tous les grands titres revêtent toutes les caractéristiques d'une fuite organisée afin de sonder les réactions des gouvernements et opinions publiques africaines avant publication officielle de la réforme du dispositif militaire français sur le continent. Au de cette réforme se trouve bien sûr le départ forcé de l'armée française de Centrafrique et du Mali en 2022, du Burkina Faso et du Niger en 2023. L'explication dominante donnée officiellement par le gouvernement français pour expliquer le retrait militaire imposé par ces trois pays et rappelons-le, l'affirmation de l'existence d'une campagne de propagande anti-française initiée et menée par la Russie. Ainsi, en juillet 2022, lors d'un voyage officiel en Afrique de l'Ouest, le président Macron déclarait, je cite, la Russie tente de développer son influence dans la région par le développement d'une propagande anti-française et par la diffusion de fausses informations. Fin de citation. Qu'il y ait une guerre de l'information en Afrique entre la France et ses alliés d'une part... Et la Russie, d'autre part, est une évidence. Tous les conflits contemporains comportent un champ de bataille informationnel. Cependant, en conclure, comme le fait le discours officiel français, que le rejet de la présence militaire française n'est issu que de cette guerre de l'information, est abusive, abusif, pour au moins deux raisons. La première raison est tout simplement qu'une telle affirmation dénie au peuple africain concerné la capacité à se faire leur propre opinion en comparant les différentes offres inform informationnelles. La seconde raison est qu'un tel raisonnement occulte la campagne de propagande française qui est tout aussi importante. Ainsi, en décembre 2020, Facebook a annoncé la fermeture de 150 comptes actifs au Sahel liés à l'armée française et à la Russie. Sur ces 150 faux comptes, 80 comptes sont liés à l'armée française, précise Elijah Blah, rédacteur en chef de RP Media, un site d'information étudiant la production des informations sur l'Afrique. La réforme du dispositif militaire proposé est importante. Elle exprime l'évolution du rapport de force défavorable à la France en Afrique, en général, et dans la région en particulier. Elle continue de s'inscrire néanmoins dans une logique consistant à changer la forme pour maintenir le fond. Il s'agit en effet d'éviter que l'opinion populaire défavorable à la présence militaire française ne se développe au Tchad, au Gabon ou en Côte d'Ivoire, ce qui déboucherait d'une manière ou d'une autre, à plus ou moins long terme, sur de nouvelles exigences de retrait militaire français. Il devient dès lors urgent d'afficher une logique de rupture avec le passé, ce qui suppose de rendre plus discrète la présence militaire française. Jean-Marie Bocquel s'exprimait ainsi lors de sa nomination. Je cite, La France souhaite aujourd'hui une présence visible moindre, mais maintenir un accès logistique, humain, matériel à ces pays, tout en renforçant notre action qui réponde aux aspirations de ces pays. Fin de citation. Le chef d'état-major français, Thierry Burcard, va dans le même sens en avouant au journal Le Monde le 17 juin, les emprises françaises en Afrique et leur visibilité sont devenues difficiles à gérer. Il faut donc modifier notre schéma d'implantation. Fin de citation. Détaillant ce nouveau schéma d'implantation, il précise que l'objectif reste inchangé, à savoir, je cite, garantir des accès stratégiques par voie maritime et aérienne. Fin de citation. Autrement dit, il s'agit de maintenir des bases permanentes beaucoup plus petites, mais disposant d'infrastructures leur permettant d'accueillir instantanément un afflux important de forces en cas de besoin. Il s'agit donc de se donner les moyens techniques, de faire varier les effectifs militaires français, au gré des besoins, explique une lettre ouverte au président Macron, signée par un collectif d'organisations et de personnalités. Je cite, En apparence nouvelle, l'idée ne fait que s'inscrire dans une lente évolution du maillage militaire français en Afrique depuis les indépendances. La réduction progressive des effectifs a en effet toujours été compensée par l'évolution des moyens d'intervention et la rapidité de déploiement à partir de quelques points d'ancrage permettant des dizaines d'opérations extérieures. Si l'idée à la tête de l'État a toujours été de rester militairement présent sur ce continent, nous disons à l'inverse à l'armée française en Afrique qu'il est largement temps de partir. Il est temps que les bases militaires françaises soient purement et simplement démantelées, que les opérations extérieures prennent fin, que la coopération militaire avec les régimes autoritaires cesse, qu'elles aient été organisées par l'envoi de soldats français venant de l'Hexagone, ou à partir d'une présence militaire sur place, les interventions militaires des vingt dernières années présentent un bilan explicite, à savoir entre autres une ingérence en Côte d'Ivoire et l'installation d'un pouvoir inféodé à Paris, la production d'un chaos durable en Libye avec en conséquence la déstabilisation durable par les groupes terroristes de l'ensemble des pays du Sahel. Comme on le voit, les besoins profonds des peuples africains n'est pas de rendre moins visible ou plus discrète la présence militaire française, mais de rétablir réellement leur souveraineté nationale sur le plan des politiques de défense, comme d'ailleurs sur l'ensemble des questions. L'enjeu n'est pas la visibilité, mais le maintien ou non d'une relation néocoloniale entre pays. Paris et ses anciennes colonies. Comme on le constate, la décolonisation réelle reste une question d'actualité posée et à résoudre. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle séance du monde vu d'en bas.